Et salut tout le monde, c'est Rain. Comment allez-vous? Moi là, j'ai actuellement envie de mourir. D'ailleurs, cette vidéo était prévue parce que, en fait, je voulais parler du coup de qu'est-ce qui va se passer parce qu'il y a des choses qui vont changer concernant cette chaîne YouTube, donc la chaîne de VOD, et ainsi que par rapport à Twitch. Et il s'avère que là, je viens d'apprendre une nouvelle qui me fait extrêmement chier. Et que j'ai été con, j'avoue que j'ai été ultra con, mais en même temps, faut dire que tout s'est goupillé à un moment où tout a été fait pour que ça pète les couilles. Voilà. Je vous explique. Donc là, si vous êtes sur la chaîne de VOD depuis un moment, vous devez savoir qu'il y a du Dead Space 3, qu'il y a du Dead Space 2, qu'il y a du Gran Turismo. Lui, c'est un cas à part, on en parlera dans la deuxième partie. Qu'il y a du The Last of Us. Lui, par contre, il est pas impacté. Donc en soi, bon, bah, Last of Us, ça sera bon. Qui était en train, voilà, qui tournait et qui se faisait sortir chaque semaine, etc. etc. Il s'avère qu'en fait, vu que je suis un compte Twitch Prime, parce que j'ai Amazon Prime, parce que j'aime pas attendre pour recevoir mes putains de colis des semaines et des semaines, et ben du coup, en fait, ça te donne la possibilité de garder tes VOD sur ta chaîne Twitch pendant 60 jours. Normalement, de base, si, sauf si vous êtes partenaire, mais moi je suis affilié, vous avez le droit à 15 jours. 15 jours, c'est très peu, surtout pour moi qui voilà, s'occupe des VOD, etc. Mais avec 60 jours, par contre, bah, t'es plutôt confortable en fait, parce que du coup, t'as pas à bourrer ton disque dur et t'as ni à bourrer ta chaîne YouTube de VOD d'avance, et du coup, c'était plus confortable pour moi. Mais le problème, c'est que du coup, ben, au cas où il y ait cette couille qui se produise, j'étais pas prêt. Il s'avère que ce mois de mars, qu'est-ce qui se passe au début du mois de mars? Je vois quoi arriver dans ma putain de boîte aux lettres? Je vois une carte de paiement. Et oui, la carte, ma carte, mon ancienne carte, arrivée à date de péremption ce mois-ci, 3 2021. Eh oui. Et du coup, il se passe quoi? Ben moi, forcément, vous avez un truc de souscription. Vous mettez de l'argent derrière. Et du coup, ça va tirer à partir d'un de votre compte, ou à partir d'une carte, ou à partir de PayPal. Il y a différents moyens. Voilà. Et moi, j'avais mis de base par rapport à Amazon, par rapport à ma carte. Parce que dans tous les cas, de ce que j'ai regardé là un peu à l'instant, Amazon n'accepte pas PayPal. Donc du coup, c'est un peu débile, mais bon, soit. Il s'avère que du coup, ben, étant donné que ma carte arrivait en péremption, j'ai reçu une nouvelle carte. Et une nouvelle carte que j'ai aussi dépêché de setup, histoire d'éviter d'être dans le caca dans le futur. Le problème, c'est qu'en setup on la carte, quand on paye avec la nouvelle carte, on bloque l'ancienne. Et en fait, le truc, c'est que j'étais tellement busy que du coup, en fait, je suis le genre de mec qui préfère être notifié histoire de faire quelque chose. Genre, par exemple, je suis inscrit à Pôle emploi. Jamais de la vie, j'irai faire mon actualisation avant que ça se ferme. Non, non, j'attends le SMS me dire: ah, aujourd'hui, il faut que j'aille sur Pôle emploi à m'actualiser. Là, c'était pareil. D'abord, c'était Spotify qui m'a fait ça, en me disant: bon, bah, ta carte elle passe pas, on retentera d'ici quelques jours, mais d'ici là, changez votre moyen de paiement. Et d'un côté, Spotify est bien fichu parce que du coup, il te laisse quand même ton statut de premium, il te laisse accès à ton compte, il te laisse accès à tout sans pub, etc. Parce que du coup, il te dit: bon, bah, je retenterai, t'inquiète pas, frère, enfin, des soucis ça arrive, je retenterai d'ici 2-3 jours. Et ça, c'est bien. Amazon, en revanche, ils en ont rien à foutre. Alors du coup, j'ai été notifié à peine tout à l'heure que du coup, bah, ça passait pas. Et le problème, c'est que quand l'option ne, enfin quand le paiement ne passe pas, ils te virent l'accès. Et seulement quand tu remets ton paiement, ils te reprennent l'abonnement et tu récupères l'accès. Du coup, vous détestez ce qui s'est passé. J'ai perdu mon statut de Twitch Prime. Twitch a supprimé toutes mes VOD. Donc du coup, ça concerne uniquement Dead Space 3. Ça me fait chier parce qu'en plus de ça, on l'avait fini. Ça concerne aussi Dead Space 2. Et ça concerne également. Ah oui, non, Gran Turismo, je dis que c'est un cas à part. The Last of Us, j'ai anticipé. En fait, vu que les VOD datent de décembre, j'avais pas vraiment le choix vu qu'on est en mars. Hein. Donc, non, là, c'est sur mon disque dur. Le temps que je setup ça, et même, je crois que c'était sur YouTube, même. J'ai vraiment bien anticipé parce que c'était quand même assez long. Mais les autres trucs, vu que Dead Space 3, on l'a fini il y a à peine 2 semaines, bah, c'était sur le Twitch. Enfin, non, on l'a fini il y a 3 semaines. Mais du coup, c'était sur le Twitch. Et du coup, il me reste que 2 VOD.
Comment dire que j'ai un seum fou parce que cette chaîne de VOD commençait à prendre un certain rythme. En plus de ça, Dead Space 3, on l'a enfin terminé, mais il s'avère qu'il faut qu'il y ait toujours une couille pour qu'on n'arrive pas à mettre ça sur la chaîne au complet. Quant à Dead Space 2, en plus de ça, c'était un playthrough en fanatique. Et du coup, ben ça me fait vraiment chier parce que c'est la première fois que je faisais le jeu en fanatique. En plus de ça, ça fait 10 ans que j'avais pas fait le jeu et du coup c'était vraiment une expérience vraiment intéressante, même si j'ai ragé au chapitre 7, parce que le chapitre 7 c'est vraiment de la merde, faut le dire ce qui est, mais ça arrive, hein. Du coup, ben je sais pas comment faire. Parce que le problème c'est que Dead Space 3 n'a pas de système de sauvegarde. Donc du coup en fait il aurait faudrait genre recommencer à partir du chapitre où on en était, et je veux dire, nous, Baptiste et moi, on est déjà passé à autre chose, on a déjà désinstallé le jeu, réinstallé un autre jeu, et surtout, non, la flemme. Quant à Dead Space 2, pareil, j'ai sauvegardé, même si je faisais plusieurs sauvegardes, parce que c'est conseillé, parce que le Dead Space 1 et 2 ont tendance à softlock ultra facilement sur PC, va savoir pourquoi, c'est conseillé de sauvegarder sur plusieurs sauvegardes, mais j'ai sauvegardé pas sur 10 000 sauvegardes, j'ai sauvegardé sur 2-3 sauvegardes, quoi. Donc du coup, pareil, mes sauvegardes sont écrasées, donc j'ai pas de quoi recommencer. Donc du coup, ben... voilà, j'ai envie de dire. Alors je vous avoue que j'ai un seum tellement énorme que l'envie de recommencer, là, elle est pas présente. Elle est pas présente, pas présente du tout. C'est juste chiant, c'est déprimant en fait. Je comprends pas pourquoi ils te laissent pas genre un minimum de répit. Je veux dire, il y a 10 milliards de problèmes, genre par exemple, je sais pas moi, un patron qui décale un paiement parce que je suis pas, ça l'arrange de 2-3 jours et du coup, bah, tu l'as dans le cul. Ouais, juste mon exemple à moi en fait, une carte qui s'expire et du coup, genre t'oublies parce que voilà, t'es occupé, t'as de quoi t'occuper genre dans la vie, etc. Et du coup, bah t'oublies et du coup, bah voilà, c'est des heures de boulot qui sont perdues et ça me rend triste. Donc de base, cette vidéo, je devais pas la faire aujourd'hui parce que du coup, bah. Parce que je me suis dit, je peux prendre mon temps de parler de ce que j'ai envie de parler, donc du coup voilà. Mais bon, tant qu'à faire, tant qu'annoncer cette mauvaise nouvelle, autant profiter pour annoncer le reste. Alors, c'est un jour différent, et je me permets de faire cette deuxième partie un jour différent, parce que je me rends compte que, étant vraiment blasé la dernière fois que j'ai enregistré ça, j'ai un peu omis certaines choses par rapport au Twitch et à YouTube. Et puis certaines choses aussi ont changé dans ma tête, donc en fait, fallait que je la refasse cette partie, donc, oh, bah je la refais, voilà, c'est tout. Déjà pour commencer, par rapport à Twitch. Donc j'ai parlé et j'ai dit que Gran Turismo c'était un cas à part. Ben c'est vrai que c'est un cas à part, et pour être totalement honnête, hein, je suis totalement transparent avec ça. Moi, Twitch, en aucun cas, c'est le moins. Je veux genre des milliards de personnes sur mon chat. Au contraire, même ça me ferait plus flipper qu'autre chose parce que ben, j'ai pas envie de répondre, de rater des gens à qui répondre, etc. Donc, non, non. Mais donc, ayant start à mettre en point une optique à garder les gens qui viennent et non pas à ce qu'ils se barrent. Et du coup, ou avoir juste des followers qui grimpent parce que les gens ont tendance à cliquer facilement sur le bouton follow mais ne viennent jamais. Et ben du coup, je trouve que ça change. Et du coup, j'ai décidé, même si je ne voulais pas de base, de me recentraliser. Enfin, plutôt non, je voulais de base, puis ensuite au final, c'est parti en couille avec la stuff et tout. Et bah du coup en fait je vais décider de revenir sur mes idées initiales et de me recentraliser sur, alors ça peut paraître précis mais voilà, pour commencer en tout cas les challenges. Qu'est-ce que j'appelle les jeux à challenge? C'est assez simple. Tout d'abord c'est vraiment m'atteler à un jeu mais dans une difficulté élevée. Par exemple, ce que j'ai fait avec Dead Space 2, c'est-à-dire je l'avais jamais fait en fanatique avant. J'ai YOLO en mode fanatique. Alors on va me dire oui, mais le mode Fou Furieux c'est le plus élevé. Et ben oui, le mode Fou Furieux j'avais de base prévu de m'y atteler en fait et de m'y atteler comment dirais-je, de m'y atteler et de vous présenter en fait un genre de tuto. Je sais pas vraiment si je vais le faire, et même je me suis rendu compte que j'ai une idée par rapport à ça, donc en fait ça sera pas pour tout de suite, voilà. Et en fait ça va être ça. Le but c'est que quand je lance pas un jeu en normal, le but c'est que quand je lance un jeu, si c'est possible, que je le lance direct en difficulté assez vénère, histoire voilà déjà aider d'avoir une véritable expérience, et pour moi en fait c'est là où je m'ennuie le moins.
C'est là où je m'ennuie vraiment le moins, pour de multiples raisons, parce que ben voilà, soit je tombe sur un jeu à la The Last of Us 2, où je me fais vraiment chier au bout de 10 heures de jeu, et j'ai l'impression que j'en ai déjà fait 100, non, j'ai pas envie. Et en plus de ça, parce que j'aime bien, et parce que aussi j'ai l'impression que les gens sont devenus un peu allergiques au challenge, et j'essaie, avec ma petite personne, j'essaie un peu de changer ça en mode, non, le challenge c'est une bonne chose, et je veux vraiment, voilà, plutôt que de montrer que j'ai un gros kiki, bon, ce qui est vrai, hein, mais bon, je suis un gamin, plutôt que de montrer, voilà, que je suis un bonhomme, oui, non, en fait, si, techniquement, enfin, certains trucs sont peut-être durs, et si je les accomplirais, je serais vraiment content. Je pense par exemple à un truc tout con, mais quand j'ai fait Real Return to Castle Wolfenstein, donc le mode, on va dire le mode HD de Return to Castle Wolfenstein que j'ai fait, je l'ai fini, je crois, en décembre. Ce mode-là, en fait, c'était le mode I am Death Incarnate, donc je suis la mort incarnée, donc c'était déjà le mode de difficulté. Le max du jeu de base, mais avec deux fois moins d'HP. Et pas plus de ressources de heal pour compenser. Non, c'est deux fois moins d'HP avec les mêmes ressources de heal. C'était chiant. Surtout des boss qui étaient vraiment relous. En plus de ça, ils ont foutu un recul genre réaliste sur les armes. Donc du coup, en fait, le jeu, ça changeait complètement sa philosophie. Et en fait, quand je l'ai fait et quand je l'ai fini, je me sentais vraiment bien. Pareil pour Gran Turismo et son permis A que je me suis fait chier à enfin Gold. Et du coup je me suis senti méga bien. Et c'est ce genre de truc que je recherche. Et c'est ce genre de truc que je recherche les gens à avoir. Et c'est pour ça que du coup ma philosophie c'est de voilà, éventuellement pourquoi pas genre grind le jeu histoire de... Ah, y a des bruits chelous chez moi, je jure faut que je me casse de là. Mon but c'est voilà, c'est de mettre ça en avant, de mettre les bénéfices, de mettre ça en avant, et surtout de mettre des vidéos voilà, bien travaillées derrière. Je vous dis pas comment ça va être fait, mais j'ai ma petite idée, et si ma petite idée est bien, ça va être cool, donc voilà. Et le but, c'est qu'après, vous puissiez avoir les outils en main, afin de pouvoir le faire, et puis voilà, si vous y arrivez et que c'est grâce à moi, c'est gagnant-gagnant. Moi je suis toujours content d'aider, hein, de toute façon, hein, sauf dans FF14, que bon, les gens c'est tellement des connards qu'ils refusent d'être aidés, et ça m'énerve un peu beaucoup. Ça me donne presque envie de... j'ai dit que si je poussais plus FF14, j'atterrirais dans un hôpital psychiatrique, hein, c'est pas pour rien si j'ai dit ça, hein, donc... Oh là, ce double wink-wink, parce que ça veut dire deux choses différentes, je suis un PG en communication... Je sais pas ce que j'ai, c'est la fatigue, en ce moment je dors plus, c'est tout. Donc oui, pour Twitch, voilà, je veux me focus sur des challenges, donc faire des trucs qui sont durs. Je me focus, pour l'instant je me restricte pas encore sur les jeux, parce que je pense que rien que ça, je pense à un concept assez intéressant pour que les gens accrochent. C'est-à-dire que, en fait, si je fais ça, c'est pas pour rien, c'est pas parce que, voilà, genre, changement de stratégie, parce que ça marche pas, et j'ai pas mes millions et d'euros à gagner avec ça, parce que ça attire pas, non. C'est juste que, en fait, être sur Dead Space 2, pardon, et faire des streams où tu parles à personne, c'est chiant, en fait, c'est juste archi chiant. Je demande pas non plus, genre, 10 milliards de personnes, comme je l'ai dit, mais juste peut-être 2-3 personnes, ça serait déjà... honnête sur ce genre de jeu. Et non, il y avait personne. D'ailleurs, ça m'étonne pour Dead Space 2, qui est un classique, je trouve, mais non, il y avait absolument personne. Donc c'est chiant. Et du coup, le but, c'est que voilà, moi, j'arrive voilà, à me faire des clients fidèles derrière, qui me suivront un peu partout, et puis comme ça, genre, je pourrais m'attaquer à des jeux peut-être plus dans ce genre-là, sans vraiment m'ennuyer, quoi. Donc voilà, c'est par rapport au truc, et Gran Turismo rentrait pas dans cette case-là, enfin, elle rentrait dans cette case-là, mais le problème c'est que c'est un jeu qui diffère vraiment trop des jeux d'autres jeux. En fait, si tu te dis que t'es un streamer de jeux de course, ultimement Gran Turismo va attirer, hein, c'est logique, hein, ça marche. Mais pour un no-name, il y a des gens qui viennent, hein, mais ils repartent direct. Hein. Et puis en plus de ça, j'ai juste l'impression qu'en fait les Français, ils sont vraiment pas adeptes du Die and Retry. Les Français sont vraiment pas... Ou alors, faut que le mec rage pour que ça attire vraiment, parce que nous, les Français, on adore voir les gens rager, hein. Enfin, donc, ça va être bien qu'on est moqueurs, on est des sacrés connards, en fait. C'est incroyable, hein. Et du coup, ça a attiré juste personne, et du coup, dès qu'on trouve ce pot, j'ai décidé, on va parler de la section YouTube maintenant, d'enregistrer ça
en off et de continuer ça de mon côté, bien tranquillement. De proposer ça avec, voilà, toujours le dimanche, mais voilà, la seule différence c'est que ça viendra pas de Twitch, ça proviendra pas d'un stream. Ça proviendra en fait techniquement de mon disque dur directement, parce que ça sera enregistré dessus quoi. La seule chose qui change, c'est peut-être le layout du truc changera, mais c'est tout en fait, c'est absolument tout. Et en plus, pour moi c'est mieux, parce que si j'ai envie de faire du die and retry sur un permis à la con, j'ai pas à enchaîner genre 10 heures de stream où il se passe absolument rien, ce qui se passait avec le permis A, hein, vous déconnez pas. Et comme ça, genre je peux juste cut ça, alors je suis désolé pour le bruit de pied de micro qui a... Faut vraiment que je change ça. Et voilà, donc du coup c'est mieux. Et en fait c'est tout simplement aussi pour dire que ce genre de vidéo où j'enregistre plutôt que ça provienne de stream, ça pourra arriver. Alors, de base, il devait y avoir plus de trucs. En fin de compte, je me suis calmé parce que certains trucs, je pense que je les ferai d'une manière différente. Donc voilà. Mais il y aura quand même des trucs enregistrés. Et surtout, un truc voilà, que j'aimerais bien faire, c'est... j'aimerais beaucoup, voilà, par moment, genre parler de choses qui proviennent de l'actualité. Je sais pas encore comment m'y prendre par rapport à ça, donc vous verrez bien si ça arrive sur la chaîne ou pas. Si ça arrive pas sur la chaîne, c'est juste que j'aurais changé d'avis encore une fois. En toute honnêteté, en fait, en toute honnêteté, voilà, c'est juste, la YouTube, rien va changer, en fait. Enfin, les séries, malheureusement, je peux rien y faire, en fait. Enfin, le truc, c'est que j'ai toujours pas repris le statut, en fait, vu que, techniquement, comment dirais-je... Je l'ai perdu, donc dans tous les cas, les VOD sont perdus, donc ça sert à rien que je revienne vite sur ce truc, sur le Prime, quoi. Mais de toute façon, tout est perdu, donc ça m'embête vraiment beaucoup. Surtout, comme j'ai dit, pour Dead Space 3, qu'on a enfin fini en coop et tout ça. C'était vraiment beau. Bon, en fait, il s'avère que j'ai encore la VOD du DLC. Donc techniquement, en fait, il y a encore la fin. Ce qui n'a pas lieu d'être. Mais au moins, il y a encore la fin. Dead Space 3, il s'avère qu'il a un choix de chapitre. Donc s'il faut, voilà, si je suis vraiment déterminé, éventuellement on pourrait reprendre nos chapitres, mais ce sera pas en coop quoi. J'ai pas envie de faire vivre ça à Badis, hors de question. En revanche, le Space 2 n'a pas de choix de chapitre, c'est par sauvegarde, et les sauvegardes sont écrasées depuis bien longtemps, donc là c'est délicieusement mort. Donc je pense que voilà, c'est le seul moment où il y aura du Dead Space, je pense que ce sera par rapport à cette vidéo en fou furieux. M'en excuse. Et comme j'ai dit tout à l'heure, The Last of Us est pas impacté. Lui, vu que les DVD dataient déjà beaucoup trop, j'ai anticipé. Et Gran Turismo, j'ai dit, ça change de format. Voilà, donc en fait, c'était juste surtout pour parler de Twitch, en fait, de dire que voilà, je mets cette emphase sur le challenge, sur que les gens soient plus enclins à accepter le challenge, on va dire ça comme ça. Quant à YouTube, c'est juste pour dire que Gran Turismo, ça continuera, mais juste enregistré de mon côté, quoi. Ça va être juste un peu plus chiant, voilà, pour 2-3 trucs, mais en soi, je m'en fiche, je tiens vraiment à ce challenge. Ah, et par rapport à Twitch aussi, parce que vous allez me dire, même Marathon Resident Evil, du coup, tu le feras pas. La réponse est si, c'est 25 ans de Resident Evil, faut pas déconner, évidemment que je le ferai. Mais oui, non, donc du coup c'était tout, voilà, j'ai recommencé cette partie parce que j'étais vraiment pas satisfait de ce que je disais, parce que j'étais encore méga blasé, hein. Faut vous rendre compte que quand même, quand il y a beaucoup de VOD qui partent d'un coup d'un seul comme ça, parce que ils savent pas proposer une putain d'attente et de retentative de paiement, ces bandes de connards, ça fout un peu le seum, voilà. Enfin bref, sur ce je vous laisse, merci d'avoir regardé, je pense que ça vous aura plu, je sais pas ce que j'aurais foutu en fond, sûrement du Hearthstone parce que je compte reprendre avec du Hearthstone là ce soir en streaming, voilà, et puis moi sur ce, du coup je vous laisse, je vous dis du coup à pas ce soir, mais parce que je streamerai pas le vendredi soir, mais à la prochaine, soit sur Twitch, soit sur YouTube, allez, ciao ciao.